Salut à tous les amis Salty, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve sur eFootball 2023 et si vous voulez supporter la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre un pouce à la vidéo, ça fait plaisir. On est en division 2 et là il vient de se passer un truc, ça m'a énervé. Regardez, je viens de prendre 3-0, un match. J'étais en train de filmer, en fait je me suis tellement énervé, j'ai même pas fini la vidéo, je vais l'effacer. Ça m'a tellement énervé, un match scripted de fou, je pouvais rien faire. Il a eu 3 tirs, 3 buts, j'ai dominé tout le match, un truc bien frustrant. Je me dis, allez, j'en refais un et tout. Je refais un match après et je joue contre un mec Shivers FC que je bats 3-1. Il quitte et il fait bugger le match. Donc, c'était un cheater. Donc, le match n'a pas compté. Voilà où on en est. Donc, voilà pour ma matinée. Je vous dis, je suis d'une humeur pas possible à propos de eFootball là. Et je suis bien saoulé. Donc, je suis bien prêt à en découdre. Et je suis bien énervé de cette matinée eFootball dégueulasse. Entre un match vraiment horrible où j'ai rien pu faire, j'ai fait plein de tirs, j'ai tout essayé, j'ai pas mis un seul but, lui il arrivait à m'intercepter tous les ballons, je sais pas comment. Et il me met 3-0, et l'autre match après où je mène 3-1 tranquillement et le mec fait bugger le match, j'avais juste envie de crier, donc voilà. C'est le retour de la Ligue 1, sinon, en attendant que ça trouve un match, ça fait du bien après la trêve internationale et les matchs de l'équipe de France. Retour pour la Ligue 1 avec Marseille qui a fait un partout contre Montpellier hier soir. J'ai pas vu tout le match, j'ai vu un petit peu. C'était pas dingue du côté marseillais. Et vérification état de la connexion, est-ce qu'on a trouvé quelqu'un? A-t-on trouvé un joueur? Et j'espère que ça va pas être un match fucked up là et complètement what the fuck parce que ça va me faire péter un câble. Donc j'espère vraiment que ça va être un match ok. Il est en division. Oh là là, il dit don't cheat or I'll do the same. Oh là 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 là. Mon dieu, ça veut dire que lui, s'il me fait quitter le match. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. J'espère vraiment que c'est pas un cheater. Il dit ne cheatez pas, sinon je ferai la même chose. Ça veut dire qu'il a préparé un. Oh là là, j'ose même pas imaginer là. J'espère que ça va pas être ça. On va voir. Alors, on a qui dans forme? On a Gakpo. On va mettre Gakpo et Neymar au centre. On va mettre Gakpo sur le côté gauche. Il a une bonne force de frappe, on va dire. On va mettre Di Maria au centre à la place de Bernardo. J'aime bien Di Maria quand même. Hein. Il est très très fort. Christensen pas en forme du tout. Oh, à coup dur. C'est pas grave. On a quand même Guardiola. On va regarder l'équipe adverse. C'est quoi cette équipe? Rashford, Son. Ah, il a la carte Son que j'aurais bien aimé. Joao Félix, Emo. Ouh, il joue très très offensif lui. Hein. Par contre, il a mis 3 décès. Pavard, Konaté, Joe Gomez. Joe Gomez, je vois pas trop l'idée de mettre Joe Gomez, mais bon, pourquoi pas, on va voir. C'est un peu bizarre, ou alors il a un mec qui est pas en forme, ou qui a un carton rouge, mais alors Joe Gomez, quand t'as le choix avec les Van Dijk, les Rudiger et tout, mettre Joe Gomez, bon, pourquoi pas. On va essayer de voir ça. C'est parti, en tout cas, Ansu Fati, Mbappé, Dybala, Neymar sur le banc, il a mis tout ça sur le banc, Ansu Fati aussi. Et c'est parti pour ce match. Allez. Et j'espère qu'il va pas cheater, qu'il va pas quitter le match. Ça va me rendre fou. Si c'est 2 fois d'affilée, ça va me rendre complètement dingue, je vous le dis. Bon, sa connexion n'a pas l'air géniale non plus. Ça met du temps à charger. On est à Manchester. Et alors, F. Elson comme entraîneur, je sais pas qui c'est. Je sais pas dans quelle tactique il va jouer. On va voir ça. C'est parti les amis. Avec Kylian Mbappé qui est rentré. Hein. Il était remplaçant, mais il l'a mis en fait sur le match. Konaté. Interception de Guardiola. Super. Allez, pour Saka. Saka pour Mbappé. Mbappé pour Neymar. Neymar du gauche. Ouh, allez, on teste le gardien. Avec une frappe de Neymar du pied gauche. Neymar, il peut marquer du pied gauche. Hein. Il a une bonne frappe. Il n'y a pas de souci. Ça commence plutôt pas mal. Allez. Non, j'aurais pas dû se faire ce crochet dégueulasse. J'étais presque dessus quand même. Allez, Nesta, il faut aller au contact. Bien joué Hakimi, qui a bien couvert là. Oh là là, c'est quoi cette relance bizarre d'Hakimi?
Moi qui l'ai faite, hein, je me plains pas. Enfin, si, je me plains de ma relance. Ah, Neymar, il est passé. Pour Saka. Saka, c'est contré. Je pense que c'est un corner. Ouais. Allez, pour l'instant, on est en train de mettre la pression sur l'adversaire. Il fait déjà des changements. Je sais pas ce qu'il fout. C'est bon. On va le jouer à deux encore. Je pense qu'il y a moyen de faire une bonne combinaison. Je vais jouer avec Saka. Di Maria qui enroule. Oh, Diego Costa, genre. Il la capte comme ça, quoi. Elle allait vers la lucarne. Il capte ça tranquillement. En mode pépère. Pas de pression. Allez, Saka. Saka qui enroule. Oh, Saka le pote. Enfin, j'ai pas de chance encore. Ça commence avec mes poteaux, moi. Et il l'a touché, d'accord. Est-ce qu'il va venir? Est-ce que je peux le jouer un peu? Non, il laisse. Il a bien joué le coup. Encore un corner. Ah, c'est une touche. Non, c'est un corner. Oh, je l'avais vu. J'avais vu qu'il allait tourner comme ça. Dommage. Oh, il a eu chaud aux fesses. Gakpo, qu'on n'a pas encore vu. Pour Neymar. Oh, Neymar qui allait la glisser à Mbappé. Oh, Frankie de Jong qui se fait lober carrément. Bien joué, Saka. Neymar, de Jong. Pour Mbappé qui est tout seul, dommage. Il est passé, bien joué. Bien joué, bien joué. C'est sa première attaque, il l'a bien négocié, il n'y a rien à dire. Bien joué à lui. Je me suis trop jeté. J'aurais pas dû, j'ai été trop confiant sur la défense en fait. J'ai été trop confiant, je me suis dit, je vais l'attraper, c'est sûr. Et je me suis trop jeté devant en fait. Dommage. Oh, penalty. Alors là, ça sort du chapeau, hein, je vous avoue. Ceci dit, je crois qu'il a taclé, non? Ah ouais, le mec a taclé quand même. En pleine surface, il s'est fait son gros tacle. Il s'en bat les steaks. Allez, on essaie une lucarne. My God. Allez, le but de Mbappé. Ouh, quand même. Ah, le pénalty raté, ça saoule quand même. Après, c'est... Voilà. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Je savais pas qu'il allait... Il allait partir là. Autant en réalité, c'est vrai que c'est pas une loterie, parce que c'est un geste technique, c'est dur, il y a la pression et tout. Autant dans un jeu vidéo, pour le coup, là, c'est un peu la loterie, puisque, bah, en gros, je l'ai tiré, il est parti du bon côté, quoi. Globalement. Hein? Oh, il a bien joué le coup là. Faut que je fasse gaffe. Saka, super la passe. Pour Gakpo. Bien joué Neymar. On va trouver Mbappé. Pour bien jouer le contrôle orienté de Mbappé. Ah, le 1-2, dommage, ça passe pas. Il joue bien les coups, hein. Oh là là, il aurait mérité le but, là, en vrai. Faut que je fasse gaffe. Un beau match, finalement. On se met chacun des coups. C'est comme un combat de boxe. On attaque, on se met chacun des bons coups. Oh, la passe de Neymar un peu ratée. C'est dommage. Ah, il y a hors-jeu, je crois. Non ? C'est pas hors-jeu ? Oh, j'aurais dû jouer, je suis con. J'ai fait cette passe sans y croire.
J'aurais surtout pas dû m'arrêter en fait. En haut, en haut. Bien joué. Je savais qu'il allait revenir sur le pied droit. Ah, il a fait une petite faute. Petit carton pour Son ou quoi? Je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait des changements à sa compo? Il joue en 4-1-2-1-2 en gros. C'est bizarre qu'il mette MO, Neymar et Messi. Ça marche bien, hein, mais il met le MR plus haut que le MO. C'est bizarre, mais mes joueurs sont pas du tout en forme, hein, c'est un enfer. Il joue avec Dest. En arrière droit, il faut que je joue à gauche, les gars. Dest, faut le bouffer. Hein. Il y a moyen de le bouffer, Dest, je pense. Ouais, il faut que je joue plus sur Gakpo en vrai. Ok, c'est bon, il est revenu. Je voulais pas du tout la mettre là, hein, vous avez bien imaginé. C'était pas du tout là que je voulais la mettre. Bien joué ça à lui. Ouais, il joue bien, hein. Il se met à bien jouer là. Peut-être la fin là de la mi-temps. Et Gakpo. Le centre pour Gakpo. Oh, oh, aïe, 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 j'ai cru. En plus, il est grand, Gakpo. Hein. J'ai cru à la tête de Gakpo, là. Aïe, 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 dommage. Il faut qu'on joue plus sur Dest. Je vais mettre Gakpo AIG. Je vais recentrer un peu tout ça. Je pense qu'il y a moyen de faire chier Sergino Dest. On va les mettre plus comme ça, regardez. Hop. On va en mettre plus à gauche. On va jouer à gauche et on va essayer Dest de le... C'est le moins bon joueur en face. Dest, il est pas bon, hein, honnêtement. Enfin, il est pas bon. Ça va, il court vite et tout, mais c'est pas... pas un super latéral, quand même. Il a Messi qui revient défendre, quand même. Je sais pas comment il a fait ça, mais... c'est le seul mec qui a réussi à faire défendre Messi. Le seul entraîneur qui a réussi à défendre Messi, quoi. Oh, Saka! Non! Dommage, j'étais tout bien fait, là. Il est gaucher, Saka. Je pense que là, la reprise du pied droit, j'aurais peut-être dû contrôler, mais ah là là, c'était bien joué, dommage. On a mis Gakpo en attaquant. Allez! Let's go! Quel but! Franchement, dans la construction, il était beau. Hein. C'est un beau but dans la construction, ça. Let's go! 2-1. Allez, on continue. Ça va sortir, ça, ou pas? Non, ça sort pas. Il va la jouer derrière. Non, il la joue pas derrière, merde. Oh, attention, non, il a bien joué le coup. J'ai trop anticipé derrière, putain. Ah, bien joué à lui, hein. Il attaque bien, hein. Franchement, il est pas mauvais, ce joueur. Allez. À chaque fois, j'anticipe et je l'ai pas la balle. Je
Je vais par Mbappé, par. Oh, ah, il y avait un trou là, les gars. Il y avait un vrai trou, c'est dommage. Hein. All Skulls, il court moins vite que Saka, ça c'est sûr. Allez, c'est bien relancé tout ça. Dommage, Saka. Faute. Ah oui, faute quand même. C'est un match serré, c'est un beau match en vrai. Hein. Franchement, c'est un beau match. Maintenant, j'espère vraiment que je vais le gagner, mais c'est un beau match. Ouais, et par contre, il n'en peut plus lui de faire des changements. Hein. C'est le moment d'ailleurs pour moi de faire des changements avec du Pedri. On va passer avec Gakpo Mbappé, je pense. On a des joueurs fatigués. Hein. Donc on a du Pedri qui est entré. Il nous faut du Bellingham et du Kimmich et Bernardo Silva. On fait tout changer, tout le milieu. Et là, on va avoir de la patate au milieu de terrain. C'est parti. Est-ce qu'il a changé quelque chose, lui, d'ailleurs? Il a écarté. Il met Messi en MR. Non, il va changer. Il va faire des changements, je pense. Bon, puisqu'il est là et qu'il traîne. Défensif, on a Frimpong là aussi. C'est bon. J'ai pris deux buts alors que j'ai les deux latéraux en défensif quand même. C'est pas terrible de ma part. Hein. Bon, ça peut arriver. Hein. Il est fort en face. Donc voilà, mais... Comment ça passe, ça, sérieusement? Allez, Bernardo. Bernardo Silva, bien joué. Oh, j'ai voulu mettre la fin de frappe d'Mbappé. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau, je suis deg. J'ai cru, hein. C'était bien joué tout ça. Oh, bien joué. Bellingham. Oh, quel but! Let's go! Quelle 1-2 magnifique pour Jude Bellingham. Et le 3-2. Oh là là, il était beau le but. J'ai kiffé l'appel. La passe était un peu masquée, vous avez vu. Oh, j'ai kiffé de ouf. On va se mettre en défensif. Allez. J'ai bien eu. Ah, dommage. Et Mbappé. Gakpo. Oh, let's go. Allez, c'est bon là. 4-2. On joue mieux là. Là, on joue bien. Je me précipite pas, je joue bien. C'est nickel. Non. Non. Oh, quel enfoiré de cheater. Si le match compte pas... Ah! J'ai eu peur. J'ai eu peur. Il a juste quitté. Il a été honnête. Bon, allez, ça fait des points. C'est très bien. On a besoin de points. Je suis dégoûté parce que normalement, je devrais vraiment être à 16 points. Mais à cause du match qui a été cheaté avant. Mais c'est pas grave. Allez, on continuera comme ça la prochaine fois. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce. C'était Altis. Ciao à tous les amis. Bisous, bisous.